Eh bien, salut à tous les amis, c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, les gars, aujourd'hui nous sommes de retour en gendarmerie nationale avec un véhicule avec lequel j'avais déjà patrouillé, mais il y a de ça un certain temps, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas patrouillé avec ce véhicule-là. C'est tout simplement le Peugeot Expert 2012. Plus récemment, j'ai fait le 2017 en police nationale. Mais c'est vrai que le 2012, je l'avais laissé tomber. Bon, par contre, je ne saurais plus vous donner les crédits. Je suis désolé, les gars, mais désolé pour le créateur. Dans tous les cas, je pense que son véhicule a largement été téléchargé. Vous pouvez le retrouver un peu partout, je pense. Regardez ma précédente vidéo avec recherché Peugeot Expert 2012 Gendarmerie Nationale Drixiz. Vous allez la retrouver, vous aurez tous les crédits. Et du coup, aujourd'hui, petite vidéo gendarmerie nationale, je ne suis pas une brigade particulière, j'ai hésité à me mettre en psig. Je pourrais quand même dire que je suis le psig, mais bon. Bah vous savez quoi les gars, aujourd'hui on est le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale, nous sommes le psig. Donc une brigade semi-élite entre le GIGN et le service courant. Du coup, on va intervenir pour tout ce qui est un petit peu particulièrement chaud, mais on va aussi prendre tout ce qui est service courant comme intervention. Vous aurez pu le voir, il y a quelques véhicules police nationale, c'est tout simplement parce qu'ils sont venus prendre le café. Ils étaient sur une opération conjointe gendarmerie, police, pompiers, SAMU, au niveau de Paletto Bay. Ils passaient par là pour rentrer et ils sont tout simplement venus prendre le café. Du coup, hop, on va mettre un bon clignotement au niveau des gyros, c'est bon. Hop là. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Faire un petit tour sur Utip me rendrait un grand service pour m'aider à financer ma prochaine carte graphique. Et venir sur les réseaux sociaux pour être au courant de toutes les dernières nouveautés by Drixiz. Du coup, les gars, aujourd'hui, c'est parti pour cette petite vidéo Gendarmerie Nationale Peugeot Expert 2012. Nous sommes le PSIG. Et c'est parti. Du coup, hop, si vous pouvez fermer la portière. Oula, attendez. J'ai des personnes qui discutent d'un cambriolage déjà. Ferme la portière s'il te plaît. Ok, nickel. Allez, du coup on part directement sur une première intervention pour des personnes qui discuteraient d'un cambriolage. Allez, on s'engage directement. Par contre le véhicule n'est pas particulièrement rapide. Du coup faudra être assez vigilant en cas de course poursuite à ne pas cartonner. Donc j'ai l'impression que ça bug un petit peu moins que la précédente vidéo, enfin que la vidéo d'hier. Sûrement parce qu'il y a moins de choses à charger, on est en campagne. Donc si jamais je vois que ça bug moins, qu'il y a moins de crash que la vidéo d'hier, les gars, il est fort probable qu'il y ait beaucoup plus de vidéos en campagne que de vidéos en ville, c'est dans les prochaines semaines, prochains jours, prochaines semaines. Car c'est vrai que c'est très très compliqué avec ma carte graphique qui ne marche, enfin qui marche quasiment plus, tellement elle bug. Hop là. On va essayer de se dépêcher. Si vous n'avez jamais vu ce véhicule là, sur les routes, c'est tout simplement parce que c'est un véhicule super rare. Moi je ne l'avais jamais vu en vrai. Je l'ai vu tout simplement dans mes textures et je me suis dit tiens, je vais aller vérifier s'il existe ou pas. Je vais juste, hop là, on met la météo hein, histoire que ce soit bien hein, qu'il fasse une bonne luminosité. Ok, c'est parti. On va couper les gyros histoire d'arriver vers la zone d'intervention en se faisant passer pour une simple patrouille, pour pas qu'ils se doutent de quoi que ce soit. Allez, du coup ils sont à côté du magasin. On va aller voir ce qui se passe. J'ai bien l'impression qu'il y a beaucoup d'individus. On me signale au moins deux individus. J'ai au moins deux individus. Ok. Parfait. On va y aller tranquillement. D'accord. Ok, ils sont. Ils sont là. Hop là. Allez, on va aller voir ce qui se passe. C'est sûrement lui qui nous a contacté. Monsieur, bonjour, c'est vous qui avez appelé à la gendarmerie. Hey, there are right there. And snaking around on the acting to check he likes something about it. Oh, with them, you're free to go. Ok, d'accord, je lui ai dit qu'il pouvait y aller, monsieur. Très bien, du coup, on va discuter avec les gentilles personnes qui sont présentes ici. Monsieur, bonjour, gendarmerie nationale. Ok, d'accord. Est-ce qu'il veut parler ou il ne veut pas parler? Je vais essayer de parler avec le collègue ici, enfin le camarade qui est juste là. Monsieur, bonjour. C'est la gendarmerie nationale. Ok, bon bah je procède à un contrôle. Hop là, on va faire un grab pad. Puis on va se mettre à côté de mon véhicule. Ah! Oula, 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 oula. Ok.
Gataoude, Katsio, Y. Oh là, attendez les gars. Pourquoi j'ai un... Oh là, il s'est passé quelque chose de bizarre là. J'ai un collègue qui est arrivé en courant. Du coup, on va procéder à un pas de down de ped. Donc, je sais pas où est-ce qu'il est passé, le deuxième individu. Sûrement le collègue qui s'en est chargé. J'ai un policier là-bas qui est venu en courant sur la zone d'intervention. J'ai pas tout compris, les gars, ce qui venait de se passer. Ok, bon. Un ped de check. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? I don't need to answer that. Ok, d'où vous venez? Il a pas le permis, il est pas recherché. De l'hôpital, où est-ce que vous allez? Là où j'ai envie. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous? Non, je suis ok. Est-ce que vous avez consommé des stupéfiants? Non. Est-ce que vous avez bu? Nope. Ok, bon bah. Monsieur, vous allez partir, vous allez quitter la zone s'il vous plaît. Puis voilà, j'ai rien pour l'interpeller, l'individu là, le monsieur. Ok, le policier qui bombarde sur le parking par contre. Lui, il a pas dû comprendre que c'était interdit de rouler vite sur un parking. Bon bah du coup, pour nous, c'est nickel les gars, hein. Fin d'intervention, on est de nouveau disponible. Et puis on va retourner en direction de Sandy Shore. Ok. Ok, c'est parti, on s'engage. Et ben là, c'est cool parce que j'ai beaucoup de FPS, il n'y a pas beaucoup de bugs, mis à part quelques petits bugs de map que l'on voit à droite, à gauche. Mais sinon, c'est plutôt cool pour le moment. Du coup, je suis assez content. Je suis rassuré parce que je me dis qu'au moins je pourrais faire des vidéos en gendarmerie où ça ne buggera pas. Attention, les deux renards sur l'autoroute, là faut faire assez attention. Hop là. Et ben ça m'a l'air d'être plutôt calme aujourd'hui les gars, il n'y a pas énormément d'interventions. Traffic break requested. Ok. Ah. Ok, intervention annulée. On va pas de soucis, hein. Nous, on va aller plutôt faire des patrouilles dans des lieux tels que le cimetière d'avion. On va aller voir ce qui se passe. Hop là. Parce que aujourd'hui, nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment des choses un petit peu cachées, retranchées. On va vraiment essayer de rechercher des choses étranges, genre. On va se garer là. Puis on va y aller à pied. On va pas rentrer dans une propriété avec le véhicule. Possible illegal hunting. Ok, très bien les gars. On nous signale une chasse illégale. J'allais dire bonjour au propriétaire, mais en fait, pas le temps d'y aller. 1,20 km. D'accord, ok, c'est au niveau des éoliennes. On part pour quelqu'un qui ferait de la chasse illégale. Donc pourquoi on envoie le psych sur cette intervention-là? Tout simplement parce que l'individu est armé et il est en train de faire feu sur des animaux. Et donc voilà, on nous envoie nous pour essayer de mettre fin à ça. Enfin, on va peut-être pas mettre fin à la chasse, mais au moins procéder à un contrôle, à savoir si monsieur il a un permis de chasse ou même un permis de port d'armes. Du coup voilà, puis si jamais il nous tire dessus, bah voilà, on fera la procédure adéquate, hein, que vous connaissez, que j'exécute assez régulièrement les gars. Ah non, c'est même pas aux éoliennes, c'est à la carrière. Ok. On y va rapidement. Donc le gars il est en train de chasser dans la carrière. C'est sûrement pour ça qu'on nous appelle. Ouais, mais s'il tire dans la carrière aussi, c'est normal que ça va pas le faire. Et que ça ne plaise pas à tout le monde. Ok. Il est où? C'est sûrement lui. J'ai un individu ici. Ok. Est-ce que j'ai une arme? Enfin, est-ce que monsieur il a une arme? Hop là. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. C'est la gendarmerie nationale, monsieur. Est-ce que vous avez une licence de chasse, s'il vous plaît? I don't need a license. Hep, monsieur. Revenez là. Descendez du véhicule, couchez-vous au sol immédiatement. Au sol, mettez-vous au sol tout de suite, monsieur. Allez, couchez-vous. Il a tenté de se barrer. On a réussi à l'interpeller avant. Ok, nickel. Suspect appréhendé. Je répète, suspect appréhendé. Ok, donc les gars, je récapitule. On part pour une personne qui fait de la chasse sans permis d'armes. C'est un animal mort, ça? Ah ouais, effectivement. Je vais essayer de voir si je peux pas appeler Request Animal Control. J'appelle une brigade spécialisée qui va récupérer la carcasse de l'animal.
et la prendre en charge. Donc je vais fouiller monsieur, savoir s'il a pas une arme sur lui. Hop là, pas de down de ped. Quand même. Ah ok, donc il est là lui avec son 4x4 pour l'animal. Ok, très bien. Bonjour. Ok, donc il prend en charge. Monsieur, alors qui c'est qui cet individu? Pas de permis de port d'armes, Billy White. On va fouiller le véhicule, savoir s'il a pas rangé son arme sur lui. Enfin, dans le véhicule plutôt. Shot by a firearm, ouais, je sais. Ok, donc l'arme, elle est pas. Elle est pas là. Donc je sais pas ce qu'il en a fait. Du coup, bah, c'est pas grave, nous on va pas se prendre la tête. On va envoyer, enfin appeler une dépanneuse. Et puis. Oula. Et puis emmener monsieur au niveau de la gendarmerie. A savoir, je sais pas s'il peut monter dans mon véhicule. On verra ça. Hop là. Oh nickel, il peut monter dans mon véhicule. Allez-y, montez. Parfait. Allez les gars, nous on l'emmène. Donc le psyg qui transporte un individu armé, enfin qui a abattu un animal, et la dépanneuse qui est là-bas. Ok, nickel. Attention, parfait, merci. Allez, c'est parti. Nous on quitte les lieux. J'ai bien l'impression que je me suis trompé de route, que c'était pas par là. Ouais, donc ok, d'accord. Donc j'ai roulé tout ça pour rien. On peut passer ici. Parfait. Ok, allez, c'est parti. Direction gendarmerie de Sandy Shore. Comme d'habitude. Ah, c'est des collègues. Ah d'accord, il y avait une seconde patrouille qui a dû être envoyée pour nous appuyer. Mais on a contrôlé la situation avant même que tout ça soit fait. Ah d'accord, ouh. Ah mais il y a beaucoup de patrouilles en fait. On était assez nombreux en fait. Je pensais qu'on était, j'étais tout seul. Mais en fait non, on était plusieurs. Ok, d'accord, très bien. Oula, qu'est-ce qu'ils font voir? On va pas regarder, on n'est pas censé voir ce genre de choses. Allez, c'est parti. Parfait, merci. Alors, bon, bah une première intervention qui s'est plutôt bien déroulée, les gars. Ah non, une deuxième intervention, pardon. Une deuxième intervention qui s'est plutôt bien déroulée. Et on a interpellé un individu qui a tenté de prendre la fuite. On a échappé de peu à une course-poursuite. Mais comme on est assez performant, assez bon, qu'on est une brigade d'élite de la gendarmerie nationale, on a réussi à interpeller l'individu sans accroc, sans coup de feu, sans quoi que ce soit. Hop là, parfait. Nickel. On est arrivé à la gendarmerie. Est-ce qu'il y a encore la police qui prend son café? Je n'en sais rien. Eh bien, je n'ai pas l'impression. La police nationale a quitté les lieux. C'est pas grave. Hop là, et on dépose monsieur tout simplement. Ah, toi, another officer. Toi, another cop. Hop là, parfait. Et c'est parti pour nous. On va être de nouveau dispo. Hein. Ça sert à rien de rester ici à rien faire. Allez. Qu'est-ce qui se passe là? Ça a bugué? Ah, attendez, alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. Ah bon bah je réfléchis comment on peut faire. Alors les gars, qu'est-ce qui se passe là? On fait une petite ellipse et on se retrouve une fois que ce problème est réglé. On est de retour les gars, donc manifestement je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il faut croire que ça a crash hein. Donc c'est pas grave, c'est pas à cause de la carte graphique ce coup-ci, c'est juste à cause du jeu comme ça. Oula, suicide attempt. Ok les gars, bon bah du coup mes gyros sont mal réglés hein. Ok, donc j'ai... Oh, j'ai fait n'importe quoi. Ok, nickel, du coup, ok, ouh, j'avais pas vu que c'était déjà là. Alors du coup, on se présente sur place, on est face à un suicidaire qui menace de se jeter de là-haut. Ok, très bien. Ok, bon. C'est pas un problème, hop. Moi déjà je vais faire un stop traffic dans la zone. Histoire que je sois sûr que rien n'y aille. Oula, j'ai bugué. Ok, du coup j'ai un individu là-haut qui menace de se jeter dans le vide. Est-ce qu'il faut que je prenne contact avec l'opération, la chef des opérations? Bonjour, je vais ranger mon arme. Hi, what's about time you got here? Ok, dites-moi qu'est-ce qui se passe. You need to find way to reach up there and...
Try to persuade him not to suicide. Ok, donc il faut que je le persuade de ne pas se suicider. Good luck. Eh ben merci, c'est parti. Je vais voir avec monsieur si jamais il est chaud pour ne pas sauter. Allez. Par contre, là, faudrait qu'il y ait un véhicule juste en dessous. Si jamais il saute, il risque de se manger le véhicule. Ce qui serait quand même plutôt dommage. Pour lui et pour le véhicule. Attendez, j'essaie de calculer. Non, en fait, il est peut-être juste à côté. Alors, attendez. Il est là? Ouais, donc il va sauter sur le véhicule si jamais il saute. Hop. Ok. Faut que j'évite de tomber. Monsieur, bonjour. C'est la gendarmerie nationale, monsieur. Je suis là pour vous aider. I promise you safe feeling will change. You get better, your wife... Monsieur, je vous promets qu'on peut faire quelque chose ensemble pour avancer. Ok. You can see any way out. Ok, il ne voit aucune autre issue. You need to come down with me and talk there. You don't have to do this. You're totally useless. Vous n'avez pas besoin de faire ça, monsieur. Ok. Ok. Du coup. You're not alone, your family. Je vais pas parler de la famille. You want help to you support you. Ok. 3. I want to help you. Nothing you can do. Ok. Oh, il est vraiment à fond. Oh merde, il a sauté. Ok. Oh punaise, il a sauté. Ok. L'individu vient de sauter. Ok, très bien. On va attendre que le SAV se présente. Ok, je tente une réanimation. En attendant que le SAV se présente. Enfin, en fait, il y a déjà un SAV, mais ils réagissent pas. Du coup, j'en ai demandé un nouveau. Hein. Ok, les gars, on tente de réanimer monsieur, là. You don't stop the loss in the current position. Press 1 for yes, 2... Non, je veux pas. Pourquoi ça m'a mis ça? Ok, nickel, j'ai réussi à ranimer le monsieur. Ma RCP a marché, du coup je vais annuler le VSAB parce que de toute manière ils vont jamais arriver à cette vitesse là. Oh, et qu'est-ce qu'il nous fait là? Pourquoi il est retombé? Ok, il vient de retomber en arrêt. Bon, je redemande un VSAB du coup, les gars. Hein. Non, ça, on va jamais s'en sortir. Allez. Non. Ok, nickel. J'ai encore réussi à le ranimer. On va l'attendre. Ce coup-ci, le SAV. Mais au pire, ils viennent à pied s'ils n'arrivent pas à partir de la caserne. Allez, monsieur. Voilà, relevez-vous tout doucement, monsieur. Relevez-vous tout doucement. Ne faites aucun geste brusque. Voilà. Ok. Hold up. Ok, du coup, j'appelle tout de suite une ambulance pour monsieur. Et je fais un pat down de paix à savoir s'il n'a pas une arme sur lui. Ok. Savoir s'il n'a pas une arme sur lui pour pas qu'il s'en prenne aux pompiers parce qu'on l'a sauvé ou quoi que ce soit. Ok, nickel, il a rien, juste un pepper spray. On va attendre que le SAV l'emmène. Qu'est-ce qu'ils font? Ok, nickel. Ok, salut les gars. Donc, une personne qui s'est jetée de là-haut, hein, on a réussi à la ranimer. Avec les pompiers plus une RCP. Vous transportez vers où vous voulez, c'est votre métier. Ok, je vais voir la chef pour lui dire que c'est bon. L'individu, il a quand même sauté, mais qu'il était pris en charge par les SP rapidement. You did all you called. Ok. Nous sommes de retour les gars. Donc manifestement le jeu a crash. Je ne sais pas pourquoi. Juste après l'intervention, au moment où j'ai quitté en fait, bah ça a crash. Du coup c'est pas un problème. Hop là, on est de nouveau disponible. Donc secteur Sandy Shore. Toujours le même véhicule, toujours la même tenue. Et troisième partie de cette patrouille. Allez c'est parti les gars, on s'engage. Du coup on a fait quelques interventions plutôt pas mal. J'ai bien kiffé. Code Adam. Ok, très bien. On part sur Code Adam une fois de plus.
une intervention que j'ai faite dans une précédente vidéo. Seulement, je n'ai pas trop compris ce qui se passait. Peut-être que là, ça va m'éclaircir un petit peu sur cette intervention-là. Je réitère ce que vous avez dit dans la précédente vidéo avec cette intervention-là, les gars. Si jamais vous voulez savoir, si jamais vous savez ce que ça veut dire, code Adam, n'hésitez pas à me le dire en description, enfin en commentaire. De toute manière, je lirai les commentaires et je répondrai à ceux qui m'aiguilleront un petit peu. Parce que vraiment, code Adam, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Allez, c'est parti. On se dépêche là. Donc c'est aux alentours de la station service, hein. Enfin c'est à la station service si j'ai bien compris. Ok. Ok d'accord, donc c'est encore avec un véhicule comme ça. Avec le monsieur a une arme, le monsieur a une arme. Ok, il a une arme, monsieur a une arme. Monsieur, sortez du véhicule, les mains en évidence. Mettez-vous au sol tout de suite. Couchez-vous au sol immédiatement. Ok, parfait, couchez-vous. Il y avait une arme, il y avait une arme dans sa main. Ok. Ok, parfait les gars. Individu menotté. Individu menotté. C'est peut-être un truc en rapport avec de la prostitution, code Adam. Donc je vais récupérer l'arme, moi. Moi, je veux, ce que je veux, c'est récupérer l'arme. Donc pas de donne de paix tout de suite pour savoir s'il y a une arme de poing. J'ai vu, il avait une arme. Dites-moi en commentaire si vous avez vu qu'il avait une arme ou pas. Mais moi, je suis sûr et certain à 4 millions de pourcents qu'il avait une arme à feu. Il l'a sûrement jetée dans le véhicule. Ok, je sais pas ce qu'il en a fait, mais il y avait une arme dans la main. Il y avait une arme dans la main. Search the vehicle. Ouais, mais il est passé où? Il avait une arme dans la main, j'en suis certain. Hop. Un pet de check. Ok. Il a pas le permis, il allait conduire. Ok, très bien. Madame, bonjour. Bonjour, bonjour. Hop. Venez avec moi, on va aller là-bas. Du coup. Ce que l'on va faire, c'est que je vais aussi procéder à un contrôle de madame. Est-ce que c'est une prostituée? Donc je vais faire une palpation pour commencer. Hop là, parfait. Qu'est-ce qu'on a sur elle? Qu'est-ce qu'on a? Enfin, qu'est-ce qu'elle a sur elle plutôt? Handgun. D'accord, donc elle a une arme. Ok, très bien. Du coup, hop. Après, peut-être qu'elle a un permis de port d'armes, je ne sais pas. Hop, je lui montre son identité. Kate Bates. Ok. Alors, du coup. Donnez-moi une. Madame. Non, c'est pas. Lui, je veux pas le prendre. Lui, déjà, je vais le mettre dans mon véhicule. Hop. On va pas chercher 150 000 ans dans le véhicule, monsieur. Du coup, elle a un permis de port d'armes. Ok, d'accord. Elle a un permis de port d'armes, madame. Mais bon, comme j'arrive pas à démêler ce qui se passe réellement dans cette situation, je pense qu'on va interpeller tout le monde. Donc, hop. Je vais juste poser la question. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce que vous faites ici, madame? I'm relaxing my soul. Ok, d'où vous venez, madame? Donc, j'ai le droit de pas répondre. Où est-ce que vous alliez? D'accord, est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous? Nope. Est-ce que vous avez consommé des stupéfiants? Nope. Est-ce que vous avez bu? It's good. It's not good for my health. Ok, d'accord. Bon, allez, on interpelle tout ça, là. Allez, retournez-vous. Parfait. Et on va mettre madame dans le véhicule avec monsieur. Ou alors non, je vais appeler un autre véhicule pour la transporter parce que je ne veux pas qu'elle soit dans le même véhicule que lui. Sinon ils pourront discuter d'un plan à mettre en place. Du coup, tow service, large flatbed, c'est parti. J'ai demandé une dépanneuse, j'attends le véhicule qui va transporter madame. Je vais rendre la station service disponible, enfin... Je vais refaire un peu de place sur la station service pour éviter de gêner leur business à eux. Hop là. Salut collègue, donc une personne, je sais pas trop, j'ai pas trop compris ce qui se passait dans la situation là. Du coup voilà, j'ai interpellé tout le monde et l'OPJ il va démêler le vrai du faux au commissariat. Il va prendre la version de chacun. Je sais pas s'il va l'emmener dans la même gendarmerie que nous, mais nous on va aller à Sandy Shore. Hop. Il va la mettre dans son véhicule dans un premier temps. Ce serait peut-être bien. Je vais l'attendre, hein, à savoir, parce que je sais pas trop ce qu'il a prévu de faire, le collègue. Ok. Parfait, salut, c'est parti, on suit ou pas?
Bah déjà, je vais voir dans quelle direction tu vas et je verrai ensuite après si je te suis ou pas. Ok, donc, déjà lui il y va sans les gyros. Allez, dépêche-toi. Allez, camarade. Ah, commence à y avoir des petits bugs de chargement de map. Oui, beaucoup de gros bugs, mais. Allez, c'est parti, camarade. Direction gendarmerie de Sandy Shore. Ah d'accord, donc il veut que je passe devant. Allez, le véhicule là. C'est parti, du coup nous on va voir si ça bug ou pas. Si le bug se reproduit ou non. Hop là, to another cop. Peut-être que ça va rebugger, peut-être pas, je ne sais pas. On va tout de suite voir ça. Eh bien manifestement les amis, ça rebug comme tout à l'heure, donc maintenant je le saurai. Quand j'amène un suspect avec ce véhicule là, je le dépose moi-même, je ne fais pas tout another cop. Bon du coup les gars, de toute manière c'est déjà la fin de cette vidéo, du coup j'espère que celle-ci vous aura plu. On va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était Drixiz, n'oubliez pas d'aller sur YouTube, vous abonner et faire un tour sur tous les réseaux sociaux. C'était Drixiz et ciao, bye bye.